Bonjour YouTube. Bonsoir. On continue donc avec la fosse à lave. Enfin, les fosses à lave. L'histoire de Maître Cygnus est connue de tous. Maître Cygnus a entraîné notre héros, Maximilian. Oui. Il a essayé d'éduquer ton héros. Il a aussi été mon professeur. Vous avez pas été maléfique ? Ne me poussez pas. Pardon, sorcière. Mais les gens ignorent l'histoire de son meilleur ami, l'elfe Vorwick. L'homme et l'elfe, talentueux mages de guerre de l'ordre, ont combattu côte à côte. Avant que les luttes intestines ne divisent la horde, ils ont vaincu les plus grandes armées d'orques avec des pièges massifs. Cygnus et Vorwick étaient les meilleurs mages de guerre de leur génération. Mais lorsque leur dernière épreuve est arrivée, un seul a réussi. Waouh, les cloches en plus, c'était trop stylé. Elles sont bien tombées. Sacré suspense pour savoir ce qui s'est passé après. Ouais. À la fin. On veut tous savoir ce qui se passe. Donc là, c'est un scénario de guerre. Ah bon? Oui, c'était écrit. Non. Voilà. Nous voilà une fois de plus, mon cher Vorwick, à combattre les plus grandes armées orques jamais rassemblées. Je m'en réjouis, mon cher Cygnus. Je suis curieux de savoir ce qui anime les orques. Tu dois reconnaître qu'ils sont beaucoup plus prêts à mourir pour leur cause que nos propres mages de l'ordre. Ils sont vraiment têtus. Ou juste stupides. Peut-être. Mais leur nombre ne rivalise pas avec ma force et ta connaissance de la magie des failles. Accueillez-les avec force! Voilà, je les accueille avec beaucoup de force. Et beaucoup de fracas. Nous ne faiblirons pas. Ah oui, mince, j'oublie un truc. Tu peux me dépanner deux barricades ici? Deux barricades ici? Ouais, parce que sinon ils vont essayer de passer par là et prendre le portail. Excellent, c'est bon. Ils seront obligés de passer ici. What? Et toi là, si tu peux bourrer là. Attends, je me suis téléporté. Ouais, ouais, bah tu j'ai pas tous. Tu t'es auto au cœur, c'est tout. Regarde. Ouais, ouais, je sais. Alors. Donc là où je suis, si tu peux bourrer genre des gravitrons ou des trucs comme ça pour les empêcher là de toucher à la grille. Tu peux bourrer ici. Est-ce qu'il y a moyen de prendre ? T'as pas amélioré du coup ton. Cygnus n'a jamais été aussi bon que moi dans ce domaine. Le truc de le ralentissement ou le mur, ce genre de choses. Est-ce qu'on mettrait pas une catapulte quelque part? En vrai, bah, tu pourrais complètement te mettre une catapulte si tu veux, genre ici. Parce que t'as bien la vue sur par là où ils arrivent et quand ils arrivent à l'embouchure là devant le. Là où je suis. Là, là t'as une belle vue. Par contre, il faut en prendre contrôle, hein. Il faut l'utiliser. C'est-à-dire tu te mets dedans et tu t'amuses, quoi. C'est la règle. Le jeu, il a dit, vous êtes obligé de vous amuser. Oh, des bandes archers, quoi. Ouais, c'est parfait, j'en ai mis. Que des ouzes. Est-ce que tu veux que je mette une autre... un autre piège? Bah, tu pourrais tout à fait te mettre une petite lignée de clous ici, là. Ce qui est le plus sympatoche. Placement efficace et qui non, si justement tu peux les bien les caler dans les coins, justement, si jamais il y en a qui rase les murs. Vraiment mettre 4 et pas 3. Et est-ce que tu veux que je mette une grande plaque ici? Une grande plaque de genre ça. Ouais, mais recule là par contre, qu'on puisse remettre des pièges devant. Un petit peu, et pour pas qu'il soit jeté contre ce mur-là, et qu'il soit bien jeté, expulsé dans le vide. Genre comme ça. Ouais, par contre, tu les lances pas du bon côté. Faut que tu les lances à gauche, dans le vide.
À gauche. Ah oui, c'est un... C'est un truc qui propulse les gens. D'un côté. Où il y a la flèche. Est très fort. Bah, c'est exact. Ça. Ok. Ça va être drôle. Je sais pas si t'as encore du budget. Non, j'ai plus de budget. Eh ben c'est parti, monsieur. Allez hop, je te laisse prendre ta catapulte. F, grimper. C'est génial. Moi, je vais regarder un peu comment bossent les archers, et puis voilà. Hein. On va regarder comment bossent les archers. Alors, c'est parti, j'ai... Ah oui, moi, mon spécial, c'est de faire le mort. Trop drôle. C'est vrai. Mon double saut, là, en gros, c'est... tu sautes, je tombe par terre, je fais le mort, et je régène de la vie. Et vraie technique de lâche. Oh là là, c'est joli ça. Oh, 8. Ça améliore au tir, le monsieur. Quatre. Oh, le niveau baisse, hein. Ah, il tire de si loin, les archers. Mais non. Ouh. Ah ouais, non, mais il tire dans les murs pour l'instant. Oh, la belle bleue. Oh, la belle rouge. On peut grimper à bord aussi ? Ah non. Oh, j'en ai fait 28 d'un coup. Je ne suis pas déçu de voir celui-là partir. Ça nettoie plutôt bien, hein. Ah ouais, le Karcher... Bon, moi je vais renfouler la porte. Peut-être un de ceux-là. Ah, des orques lourds. Ça devrait être amusant. Ne les prenez pas à la légère. Ils sont un peu plus méchants que leurs homologues plus petits. Attends, la blague c'est que sur chaque côté je pourrais placer un archer. Oh la blague. Je vais peut-être pas faire ça par contre. Mais quelle blague, hein. Une autre menace éradiquée. Personne ne peut me défier. Ça va ? Bah là je suis la vague, hein, direct, hein. Direct, mec, hein. Une catapulte aussi. Plus d'ennemis arrivent. Non, ça va être bon. Pour moi, ça va être bon. Pour l'instant. Ça fait tellement mal, frère. Ouais, mais j'ai des choses à gérer. Le renfou de la porte. Regarde. Je vais être sûr que ça passe pas. Oh yo. Non, ce que je voudrais tester, là, à côté de toi, c'est si je te rajoute un banc d'archer. Je regarderai. Regarderai ce qu'un banc d'archer... Ah, il y a un crâne à les récupérer. Je vais aller récupérer un crâne. J'y vais. C'est ma mission. J'espère que je serai correctement protégé. Mais ça a l'air d'être compromis, ça. J'ai lag un peu les troupes ennemies. Ah, je peux pas aller le récupérer maintenant. Il y a trop de mecs. Ça serait un risque de prendre un coup. Ah, ça se passera pas. Ça sera pas. C'est pas bien de plein save, quoi. Dommage. Je
ça tombe quand même. Ah, c'est 2500? Quoi? Le prix a monté? Alors? C'est peut-être 2500 de base. Oh, le cri de l'eau. Excellent. Prépare une percée de l'une de nos portes. Pardon. Comment ça? Ce ne sera pas la dernière. Mais arrête de t'exposer! Au nom de l'ordre. Tu veux pas que tu prennes de dégâts? Ne prends pas de dégâts. J'ai un contre, je crois. Ne prends pas de dégâts. Point. Reprends ta catapulte. Machine de guerre d'un maître. Allez, et lance la vague. Comment ça se fait que t'as des bons archers? Plus d'ennemis arrivent. Parce que j'ai joué plus que toi. Pas le meilleur endroit qu'ici. Joue, hein, c'est normal, j'ai commencé, j'avais plus de pièges que toi. Ah oui, il fallait que j'aille chercher le crâne. Vite! Avant qu'il ne soit trop tard. Ah bah il tire à l'autre bout de la carte les archers. Ah ouais? Ouais ouais. Excellent. Excellent. Ah il pilonne. Hein. Mais ils savent pas trop tirer. Bon cette distance toujours un peu compliquée. C'est vraiment une unité de distance, hein. Ils ont du mal, ils veulent pas tirer sur les gens qui sont près devant eux déjà. Ça c'est vraiment le... C'est rédhibitoire. Pourquoi les points verts sur la carte? Je sais pas du tout. Je pense que c'est les bonus. Putain, je me suis fait toucher. Du coup, j'ai regardé. J'ai regardé ce que j'ai ramassé sur la carte. Ça a l'air d'être des bonus. Ah, je me détais, je me suis fait toucher. La vague a l'air d'avoir là. Touché à la fin. Ok, donc les archers ça fait le café, réponse officielle, ok. Chercher celui du fond. Ok. Oh bah ça se passe tranquille, ça va. Le mec qui va trop vite. Non. Tac, tac, tac. Oui. Non. Non. Bah j'ai pas le budget. Problème réglé. Après je peux te mettre des trucs hein, s'il faut. Ah bah vas-y, tu peux rajouter une plaque d'éjection par ici. Ok.
Qui pareil envoie vers le pont. Comment ont-ils pu continuer excellent. Après avoir vu ce t'as pas les elfes? Est-ce que tu as les non, elfes je... Non, j'ai pas les elfes. Bon bah alors on est bon. T'embête pas plus j'ai que par ça. Par contre j'ai encore 11 000. Ah quoi que si, attends. Si t'as encore 11 000, bah vas-y, remplace ma plaque. Et j'ai envie de te dire, si t'as 11 000, si t'as 11 000, vraiment, j'avoue, on pousse l'abus. Hein. Tu sais que c'était ma plaque que t'as pris là? Mais non, je peux pas. C'était la mienne que j'avais mis ici, tu te rappelles? Ah ouais, je peux vendre tes pièges? Oui, oh. Je peux vendre tes pièges aussi. Ah bah, excuse-moi, est-ce que tu peux reposer un de tes trucs ici? Ouais, alors ceux-là, c'est les miens par contre. Hop, regarde, je les vire. Et regarde ce que je vais faire. Hop. Barricade. Mettons-en non, non. Là. Vire. Enlève-le. Barricade. Barricade. Un excellent emplacement. Vas-y, enlève-le. Barricade. Perfection. Ah, j'ai compris ce que tu veux faire. Voilà. Est-ce que tu peux maintenant mettre tes pièges en commençant par le bout? Du coup, l'extrémité. Comme ça. Ouais, enfin, normalement par le bout, quoi. Mais oui. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée et je vais même faire des économies parce que sinon j'ai plus assez de budge. Sinon je n'ai plus assez de budge. En faisant ça à chaque fois, en les empêchant de passer. Voilà. Du coup tu peux remettre des pièges là. Si tu le souhaites. Voilà. On est pas mal. On va mettre des pièges ici aussi. Peut-être pas, parce que je vais peut-être mettre un banc d'archer. Peut-être mettre des bancs d'archer. Non, si tu as du goudron, au moins, genre devant lui. Comme ça, moi je te les efface et je peux reposer un goudron de qualité. Ah, mais non, ça te rembourse toi. Ok, bah vas-y, remets des goudres. Bon, voilà, je peux effacer tes pièges, mais je te vole pas ton pognon. Ok, nice. Au moins, ce sera su. Bah voilà. Ouais, non, pour cela, est-ce que tu peux enlever cela justement là? Les deux trucs que t'as mis ici. Et je voudrais que tu mettes devant les archers des clous. Parce qu'en fait, ils peuvent attaquer les archers au corps à corps. Donc au moins, ça justement que ça protégera. Ou alors des barricades. Ou encore mieux, de la barricade. Là, la barricade, on est bien. Non, je pourrais en mettre que deux. Mais on peut commencer à mettre de la barricade sur devant eux. Vas-y. Toi t'as un 2, bah je mettrai, tu mettras double barricade et moi je mettrai une dernière barricade. Ok, c'est parti, let's go. Le chaleur. Jour. Plus d'ennemis arrivent. Il y a plus d'ennemis qui arrivent. J'espère que tu es prêt. Ouais. Ça fait attends, tellement mal, laisse-moi te montrer mon super spécial. Est-ce que c'est nul? Mais attends, moi j'ai aperçu de corps à corps. À quoi ça sert, putain de merde? Faut être en distance. Bah, mais moi en gros, à part que je suis allé chercher les trucs pour voir si les machins verts. Et effectivement, les billets verts sur la carte, c'est des bonus. Hein. En vrai, de ce que j'ai vu, en plus, en vrai, c'est pas déconnant d'être corps à corps parce que tu fais 10 fois plus de dégâts. Ouais, je pense, hein. Mais bon, par contre, bah, le bonus intouchable. Ouais, mais après, tu peux le compenser avec le crâne bonus. Ah, par contre, en théorie, pour les plaques, on aurait peut-être dû faire l'inverse pour que mes archers puissent tirer dessus. Non, ils ont pas la vision de toute façon. Ah, si, ils ont la vision. Hein. Si, on aurait dû les serrer de l'autre côté. Il y aurait une petite modif à faire. Sur nos pièges. Je détruis l'avancée de ce nom. Il n'y a plus aucun ennemi qui fait la gueule de la cadette. C'est tellement. J'ai trouvé un spot de tir pour éradiquer tous les ennemis de la vague. D'un seul coup. En fait, je tire en plein centre de la vague ennemie. Enfin, de la colonne ennemie. Et donc, du coup, je fais des gros trous dans les colonnes. Et vu que ça tire assez vite, c'est pas très loin. Par rapport à la catapulte. J'élimine les ennemis 15 par 15. Ah, c'est efficace, hein. On va pas en voir. Ouais, là, j'ai 25.
Ok, back terminé. Ok. Ce truc a terminé ça vite fait gentiment. Et puis après on fera le boulot sur le pont, on inversera les barricades et les pièges, parce qu'en fait on aurait dû mettre les barricades de l'autre côté, sinon mes archers peuvent pas tirer dessus. Voilà. Ce ne sera pas la dernière. Oh bah voilà, ils ont été calmés. Et du coup tu voulais faire quoi? Inverser les pièges et les barricades sur le pont, parce qu'en fait on a serré, il faut mettre les barricades de l'autre côté, parce que sinon mes archers peuvent pas tirer dessus. En fait je leur ai supprimé la vision sur la plupart des bêtes. Voilà. Du coup je fais l'inverse. Je suis toujours dans le même sens. Ouais, tu les jettes toujours de l'autre côté. Oui, parce que sinon il y a un risque que tu te noules et le balances sur la terrasse. Tu vas te retrouver avec une armée d'orques sur la terrasse, tu vas pas aimer. Je mets les barricades entre les deux. T'as mis une barricade ici. Pas de meilleur endroit qu'ici. Voilà, t'as plus qu'à mettre ton. Ah ouais, ma petite barricade ici. Ah non, attends, même pas. Attends, même pas. Enlève-la. En fait, non, je vais mettre ça. Bien. Parce que regarde. Ah, oui. En fait, je peux ajouter toujours plus d'elfes là, en fait. Ils vont tomber. Plus de caisses. Plus d'elfes. Ça te va comme caisse? Bah, c'est cette caisse. Là. Bah, c'est une elfe toute seule. Ah, bah oui, parce que par contre, moi la mienne elle est full level, la petite. Mais. Bon, let's go hein. Oui, je suis prêt. Y'a plus qu'à rouler hein. Ah, t'aurais peut-être pu mettre des archers ici. En fait, je suis même en train de me dire, j'aurais peut-être pu avancer les barricades de 1. Remettre des archers. Ah, tu as Krag, le boss qui est arrivé, monsieur. Notre vieil ami Krag est venu pour se battre. Nous devrions le supprimer rapidement. Il désactivera les pièges. Ouais, parce que du coup, trop tard, je peux pas supprimer la barricade. Mais ok. Je pense qu'il va falloir qu'il aille le combattre. Mais non. Mais non, il est easy. Peut-être un de ceux-là. Il est easy à ce moment-là ? Oui. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il désactive les pièges. Ce sont des choses qui arrivent. On le voit là par contre, si tu veux pas tirer dessus. Si, mais je peux éliminer toute la vague derrière en fait. Ouais aussi, hein, élimine toute la vague derrière. De toute façon, à un moment donné il va croiser des archers, ça va se passer. Hein. Bah moi, si tu vois une shot ou pas, après si t'as besoin d'aide, moi je coupe et je... Ouais, j'ai grave besoin d'aide, hein. Je me sens débordé. Hein. Faudrait déjà que les mecs arrivent à monter les escaliers. Hein, parce que... Ouf. Mais en fait là déjà le problème c'est pas ça. Le problème c'est que déjà il y en a la moitié super, qui meurt à cause de la... Il y en a la moitié qui meurt à cause de la cataclysme. Bon bah Krag a mis de life. Une faible mana, super, c'est incroyable. Moi je continue à aller la galère. Bon bah Krag est mort, hein. Autre question. Dans un bruit de métal, hein, par contre. Ouais, toujours le métal. Mais c'est méta. Et ouais, son seul pouvoir, c'est qu'il désactive les pièges. Le seul truc qui est chiant. Bah. Puis il a désactivé un certain nombre de pièges qui mettent un certain temps à se réactiver. J'ai un orc qui a fait « Je suis un humain !» Le mec a tenté la petite feinte. En fait, je suis un mec sympa, laissez-moi passer. J'imagine vraiment le mec qui arrive, qui parle comme ça, ce genre les gens ils sont en mode. Ils feintent ou. Ah, ils peuvent pas tirer, dommage. Tu sais, quand je tire à la catapulte, je me sens moins seul parce qu'il y a les archers qui m'aident à tirer. Il sent qu'il a des amis. Merde, j'ai tiré dans le rocher. Ah bah c'est bon, j'en ai eu un. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à avoir en plus des amis. Non, mais dis pas que t'as terminé. Ah, j'ai terminé, hein. J'ai tué le dernier homme. On danse de la même manière en synchro. Bah ouais. C'est facile, malheureusement, je me suis fait toucher comme un cake. On a quand même eu 7 étoiles alors que je me suis fait toucher comme un cake. Pardon. 10. Ouais, on a pas eu pourtant le bonus d'intouchable.
Ah oui, mais parce qu'on a ramassé deux crânes aussi. C'est quoi le seigneur de la faille? Seigneur de la faille? Sur quoi? Je sais pas, moi je. J'ai eu seigneur de la faille. Ah bah, je sais pas, je vais terminer un certain nombre de niveaux. C'est un succès! Voilà. Incroyable. Moi j'améliore tout ce qui m'intéressait, c'est vrai que je pourrais améliorer les pieux, ouais, puis les gravités, mais est-ce que je peux améliorer le bandage d'archer? Parce qu'on sent qu'à un moment donné on va aller faire de la guéguerre. Hein. En vrai ça a l'air trop fun. Hein. Bah je pense que... Ouais, il y a moyen de faire des trucs fun. Il y a des geysers d'acide... Il y a des trucs qui ont l'air très rigolo lol. Ah toi t'as débloqué le grand archer... Archer garde, oui c'est des trucs en plus que tu débloques grâce à la roquette toi. Seigneur de la faille débloqué. Ah seigneur de la faille débloqué, ça va être justement les scénarios de guerre qui ont dû être débloqués avec cette mission. Non. Ah ouais, ça va être ça. Bah écoute, des bisous YouTube hein. Et des bisous. Ou on la recommence sans que je me fasse toucher. Comme tu le sens. Ah c'est que c'est à toi que je te propose. Toi ça a l'air de te saouler, donc on fait la suite. Hein. Moi ça me va, mais c'est surtout que je me dis, il doit y avoir des niveaux de guerre encore plus haut, encore plus élevés. Oui, ça bah, bien sûr. Du lourd. Bah oui. Bah, comme tu veux, sinon fais des bisous à YouTube, c'est toi qui décides. Des bisous YouTube. Des bisous YouTube, à la prochaine. On va chercher plus de fun et plus d'adrénaline. Sur des nouveaux niveaux. Ciao.